spécial, avec un message spécial, pour un peuple spécial. Je suis fier de toi, mon Jésus. Merci à tous et bienvenue dans notre programme Face à Face. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous l'artiste musicien Tantini Sidi, à qui j'ai dit bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle le public est branché. Oui, merci, bonjour et bonsoir. Vous allez bien? Oui, pas ça, ça va. Ok, vous êtes à Lubumbashi aujourd'hui. Oui. Nous vous avons croisé à Lubumbashi. Et après un long moment, où la dernière fois que vous étiez de passage ici chez nous à Lubumbashi. Alors, Frère Tantini, c'est pour la première fois dans notre émission un aperçu général des Tantini, maestro Tantini Sidi. Oh, c'est le frère Tantini Sidi, musicien, chrétien, croyant du message de foi, bonhomme. Et voilà, c'est tout. Frère Tantini, votre expérience, comment vous êtes retrouvé dans le monde du message? Bon, ce qui est vrai que c'est quand même une longue histoire. Mm-hmm. C'est pas une histoire à raconter dans 2 ou 3 minutes. Mm-hmm. Mais j'ai écouté la parole et puis bon, je me suis retrouvé, du coup je me suis identifié à ça et voilà. Parlons de vous en tant qu'artiste musicien. Depuis que vous avez commencé, combien d'albums sur le marché des disques? Je n'ai qu'un album. Qui, je pourrais dire un album parce que en tant que tel, c'était un album qui n'avait pas été promu. Et puis, je crois que j'avais sorti juste 600 pièces. Mm-hmm. C'était aussi des audios. Mm-hmm. Mais bon, la grâce de Dieu a fait que je puisse, rencontrer le pasteur Life. Mm-hmm. Et par lui, il m'a amené à Pointe-Noire, par là, et j'ai rencontré un frère. Patrick Manda, il m'a amené vers notre frère Vianney, Mouga. Et ils ont pu organiser un événement. Et cet événement, ce concert qu'on avait joué là-bas, et c'est en fait ce concert qui m'avait aidé à sortir. Mm-hmm. Et c'était plus qu'un album. Mm-hmm. Alors, j'ai dit que mon album n'a pas vraiment été et mise au marché, mais c'est plus ce concert qui m'a vraiment fait sortir, qui a fait ma publicité. Et s'il faut parler d'un album, c'est ce que je compte faire maintenant. Ok. Alors, qu'est-ce qui a empêché à ce que le premier album ne soit pas consommé comme il faut sur le marché des disques, comme d'autres produits? Oui. Bon, ce qui est vrai, ça a été consommé, mais d'une manière informelle. Mm-hmm. Avec les clés USB et téléphone. Donc, c'était comme ça. Et puis, on n'a pas dû vendre le produit comme tel. Et puis, la manière dont... C'est-à-dire que celui qui était comme producteur, jusque-là, il n'avait pas, en fait, respecté les clauses comme convenu. Alors, il s'est fait que... C'est Dieu qui a conduit les choses dans sa manière, que les chants puissent être connus et écoutés et appréciés. Mais bon, c'était une voix vraiment frayée par Dieu lui-même. Sinon, et ça n'allait pas sortir et être connu par le grand public. La collaboration avec les pasteurs Lifoko Diciel, c'était un featuring ou bien c'était une production? Il vous a produit ou bien c'était un featuring? Bon, d'abord, lui, il m'avait écouté quelque part, je ne sais pas où. C'est lui qui m'avait appelé et
Il a émis le vœu de nous voir de l'autre côté à Pointe-Noire. Et une fois arrivé là-bas, vraiment, il m'a ouvert les portes et je suis entré en contact d'une de ces brebis de l'église. Mm-hmm. C'est lui qui avait mis le paquet. Mm-hmm. Et le programme était vraiment fait avec lui. Mm-hmm. Bon, c'est un pays, un coin où j'étais pas trop connu. Il a fait à ce que l'église, son église me connaisse et son église même. Et donc, ce qui a fait que l'organisation de l'événement a été vraiment réussie. Mm-hmm. C'est toute l'église Rouge-Gorge qui était derrière moi et certaines autres églises aussi de la place. Mmh. Et il a bien voulu participer lui-même aussi à l'événement pour essayer de me donner un petit coup de pouce. Mmh. Et c'est ce qui a été fait et c'était vraiment un coup réussi. Il avait réussi son projet. Mmh. Et ça m'a vraiment propulsé. Et donc c'était plus qu'un album, comme je l'ai dit. Vraiment. Mmh. Mais Frère Tintini, pour certains, il paraît que vous n'acceptez pas facilement une collaboration avec un artiste musicien. Oh, qui est venu me demander à collaborer avec lui et que j'ai eu à refuser, non? Mm-hmm. Sauf qu'on est, on cherche à faire les choses comme on est conduit. Mm-hmm. On aime rester sous une certaine conduite. Mm-hmm. Et donc, on collabore avec tout le monde. J'ai mes grands frères, mes petits frères dans la musique, ils sont là, on collabore tout le temps. Mm-hmm. Si je suis occupé, je suis occupé, mais si j'ai le temps, on collabore. On fait des featuring sans problème. Mm-hmm. Je les respecte beaucoup, ils me respectent beaucoup, ils m'aiment beaucoup. Donc je l'ai dit sincèrement, je suis entouré des gens qui m'aiment beaucoup. S'il faut collaborer avec un artiste musicien, le choix de Tintini sera basé sur qui? Ah, j'ai beaucoup de petits frères que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de grands frères. Mm-hmm. Je ne saurais pas les citer ici. Le père que l'autre va dire, ah mon vieux, bon, le moi vieux tu m'a m'as laissé. Pas cité, mon vieux, mon petit, tu m'as laissé. Non, ouais. En tout cas, je collabore, j'aime collaborer avec, même le prochain album que je compte réaliser, je me dis, ah qu'est-ce que je vais faire. Mm-hmm. Parce que il y a des talents qui monte, en tout cas, il y a de quoi dire merci Seigneur. Mm-hmm. Donc, on a besoin de tout le monde. Je me dis, ah, ici, il faut que ce frère, le morceau ici, c'est ce frère, mm-hmm. tel frère qui peut faire ça ici. Mm-hmm. Mais lui aussi, ah, mais lui encore, ah, oh là là, vraiment. Qu'est-ce que je vais faire? Vraiment, je sais pas, mais c'est vraiment, je suis en train de voir comment réussir à faire un album où je pourrais avoir la collaboration, l'association de tout le monde. De tout le monde. Pas tout le monde, mais vraiment de maximum de frères. Alors, Frère Tintini, depuis que vous avez commencé, quelles sont les difficultés avez-vous rencontrées au cours de votre chemin? Oui, les difficultés sont quand même nombreuses. Mm-hmm. Du fait que c'est un travail qui demande vraiment beaucoup de moyens, mm-hmm. que nous ne disposons pas souvent. Mm-hmm. Une difficulté d'ordre matériel, d'ordre financier. Et bon, on essaie de se battre, mm-hmm. mais sinon on a beaucoup de difficultés. D'autant plus qu'on n'a pas de producteurs. Mm-hmm. On n'a pas des gens qui ont cette vision-là de soutenir l'œuvre de Dieu dans ce cadre-là. Mm-hmm. Comme tantôt je le disais en coulisses, on a des gens, mm-hmm. je crois, qui ont appris à soutenir seulement la parole de Dieu, c'est-à-dire mm-hmm. dans ceux qui prêchent la parole de Dieu. Mm-hmm. Ils sont très rares qui, à part les serviteurs de Dieu, mm-hmm. nous croyons aussi comme des serviteurs de Dieu, à part ceux qui prêchent. Nous considérons aussi comme des serviteurs de Dieu qui peuvent avoir le souci de nous prêter main forte. Ils sont très rares. On nous observe. Si ça marche, ça va. Si ça marche, on vous regarde. Donc c'est vraiment ça. C'est un appel que nous lançons à nos amis qui ont un peu de moyens. C'est, non, pas ça, on prie seulement Dieu, donne nous-mêmes des moyens. C'est aussi une voie. Mm-hmm. Si nous donnons des moyens nous-mêmes, on n'aura pas à les toquer par-ci, par-là aussi.
Et un homme comme moi, comme certains aussi le pensent, si moi j'ai l'argent, je connais les difficultés que connaissent les musiciens. Je ne dis pas si je me donne. Comme Dieu m'a donné l'argent, je rectifie. Comme Dieu m'a donné beaucoup d'argent, on va vraiment nous atteler à bien voir cet aspect-là. Vraiment, c'est ça. Alors, Frère Tantini, si je comprends très bien, ce qui bloque l'évolution de la musique, du message, c'est l'argent. Bon, en tout cas, pour être clair, c'est le moyen. Tu vois, nous avons, je te l'avais dit dernièrement, que nous avons un message et qui ne nous laisse pas faire les choses comme tout le monde. Nous avons des principes. Que nous ne sommes pas obligés, donc on n'est pas obligé de briser. Nous faisons la musique, mais nous avons la parole qui nous conduit. Donc nous sommes obligés de rester dans les limites tracées par le message. Nous n'avons pas cette liberté-là que nos amis pentecôtistes les ont. Autres, oui. Ils ont la liberté de faire les choses dans leur manière. Et un autre problème, c'est que nous ne sommes pas tellement unis comme eux. Nous avons beaucoup de barrières. Lui croit quoi? Moi je crois ici, moi je crois ça. Lui ne croit pas ça, il n'est pas mon frère. Et il y a aussi beaucoup de nos conducteurs qui ne croient pas vraiment à ce que nous faisons. Donc du coup, tu as un concert, il y a un conducteur qui dit, eh bien ces trucs-là, moi je ne suis pas trop d'accord à ça, il ne faut pas y aller. Vous voyez? J'ai un frein pour nous. Vous retrouvez dans une ville où les conducteurs sont séparés. Ils sont là, mais ils ne sont pas capables de dire aux brebis d'aller et de venir vous soutenir. Par contre, nos amis de l'autre côté, quand l'un de leurs se pointe, c'est tout le monde qui vient mettre la main dans la pâte. Ça nous bloque vraiment aussi dans ce sens-là. Et des fois, vous avez du mal à vous produire correctement parce qu'il n'y a pas assez de moyens. C'est lui qui, par exemple, moi, je me pointe en Belgique. J'arrive là-bas, je vois des églises, mais beaucoup de pasteurs aussi ne sont pas trop d'accord avec la musique. Avec la musique ou avec votre croyance? Avec le fait seulement de chanter, faire les CD, concerts, tout ça, faire des concerts, ils ne sont pas trop d'accord. Ils se réservent tout, ils ne laissent même pas que leurs brebis aillent participer dans de tels événements. Or, nous avons un public ciblé déjà. Alors, ces petits publics-là, déjà, se voient divisés en morceaux. Vous voyez, donc, même celui qui veut sortir son argent pour investir là, il n'est pas trop sûr de voir son argent retourner vers lui. Donc, c'est là notre difficulté. Donc, c'est bien, vous partez, vous faites un petit concert dans un coin, dans une église, et vous rentrez. Donc, c'est vraiment... Mais, frère Tantini... les musiciens sont appelés à rassembler tout le monde parce que il y a peut-être des petits soucis, c'est avec le pasteur via leur position, leur doctrine, leurs croyances et autres, mais je sais au moins que les musiciens sont là, ce sont les rassembleurs. Maintenant, vous ne trouvez pas de nos jours que cette division est créée par vous les artistes musiciens, de par les chansons, de par les textes, ce que vous nous donnez comme musique, comme travail. Effectivement, c'est aussi une réalité. C'est une réalité. Frère Bonhomme dit quelque part que la musique, normalement, devait être comme un appât. Un appât, c'est juste pour attirer. Exactement, le monde. Oui. Et puis après, le message va suivre. On a aussi, ce qui est vrai, vraiment, sincèrement, je dois le reconnaître, qu'on a aussi été quelque part... on a vraiment on n'a pas trop aidé le peuple de Dieu dans ça parce que la musique doit mettre tout le monde ensemble parce que chanter c'est pas tellement prêcher. Quand on veut chanter, on doit chercher à chanter des choses qui bénissent les gens et qui mettent tout le monde à l'aise. Mais quand on veut commencer à chanter pour montrer ses croyances, pour montrer et ces couleurs, là maintenant on se crée encore vraiment des problèmes. On se crée des problèmes. À mon avis, je crois que j'ai parlé de Pastor Lifoko.
Et de temps en temps, quand moi j'étais païen, et j'écoutais le pasteur Lifoko. C'est ce qui me faisait. Et je me disais, mais ces gens sont comment? Parce que j'écoutais le pasteur Lifoko. Je crois que c'est quelqu'un qui avait une vision. Je m'excuse. Mais des gens qui l'avaient ou qui l'ont et qui le critiquent toujours pour ça. Mais c'est que j'ai fini par comprendre qu'il avait une vision ou il a une vision et il a réussi dans ça. Il a réussi. Parce que la réalité est qu'il y a beaucoup de gens, moi-même tel que celui-là, je suis témoin, il y a beaucoup de gens qui ont cru le message par ces cantiques. Il a su faire bénéficier à tout le monde de ce qu'il a en lui. Il est venu d'une manière simple. Il est entré dans le cœur des gens. Et il s'est installé. Vraiment. Au point que, quand les gens ont compris que c'était un branamiste, c'était difficile de se débarrasser de lui. C'est pourquoi il faut même s'il met un concert là-bas au coin, les gens vont venir. Ils ont tellement mangé les faux coqueux, et ce n'est plus, il n'y a plus moyen de se débarrasser de lui. Et par là, il chante un peu, quand il prêche la parole, les gens croient le message à cause de ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez? Même le foie Sylvain. J'ai dit que si on peut marcher sur cet angle-là, ça peut aider les gens. Au lieu de s'amener, commencer à dire des choses que les gens ne comprennent pas. Des choses que nous-mêmes, dans le message, on se bat encore. On se bat encore pour ça. Vous les emmenez maintenant au grand public, des gens qui ne connaissent même pas le message. Il faut des choses comme de l'algèbre. Ça les embrouille. Du coup, nous sommes rejetés en bloc. Moi, je trouve que quand on se sert de la musique comme il n'y en a pas, comme le frère Branham l'a dit, ça va nous permettre d'avoir une main tendue vers les païens. Et Dieu aidant, on peut les amener à croire le message. Ça, je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Alors, frère Tantinine, quelle lecture faites-vous? Il y a certains qui disent que le nom de Branham dans vos chansons, bon, pas dans vos chansons à vous, dans la musique du message, est à la base de l'évolution, de non-évolution bien sûr, de la musique du message. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. On cite Moïse, non? On cite Abraham, on cite Paul. Il y a des ceux-là même qui chantent leur passé dans leurs chansons, même dans nos amis pentecôtistes. Bon, quand on dit Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, ça cause des problèmes. Bon, je ne pense pas que ce soit vraiment ça. Et moi, j'ai vu des gens chanter les chants de Sylvain Akwala qui parlent de Branham a dit. Ça leur fait aucun problème. Aussi longtemps que c'est clair et c'est vraiment, ça laisse comprendre bien, il n'y a pas de problème. C'est pas vraiment ça le problème, parce que Branham, c'est un serviteur de Dieu, et comme Paul, comme Moïse, comme Jean-Baptiste. Donc, c'est pas vraiment ça. Alors, frère Tantini Sidi, nous sommes en train déjà d'arriver à la fin de notre émission. Quel est votre projet pour l'année 2021? Parce que là, on a presque consommé l'année 2020 avec la situation de la pandémie, la COVID, qui a compliqué, qui a tout perturbé le plan de certains artistes, musiciens et autres. Quel est votre projet pour l'année prochaine? Bon, l'année qui commence, on dit toujours par la grâce de Dieu, parce qu'on avait des grands projets l'année 2020, et notre Dieu a voulu que les choses se passent de la manière dont elles se sont passées. Mais nous comptons vraiment, Dieu aidant, réaliser un album, et on pense vraiment nous mettre là à fond, essayer de faire quelque chose, parce qu'on est dérangé, on est vraiment, on reçoit des questionnements ici et là. C'est qu'on a pensé que si Dieu peut nous aider à en finir cette année,
et ça sera une bonne chose. Donc on essaie de toucher ici et là pour commencer et finir cette année, l'année prochaine. Le mot de la fin. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Pour nous avoir amené vers vous. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Et nous vous demandons de prier pour nous, parce que ce travail, c'est vraiment un travail qui nécessite beaucoup sur le plan spirituel. Et que Dieu nous garde humbles. C'est vraiment l'essentiel, sur, parce que c'est vraiment très compliqué, très compliqué. Que Dieu nous garde humbles, vraiment humbles dans sa parole. Et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Je crois que l'année prochaine, par sa grâce, nous allons encore revenir ici à Lubumbashi, peut-être pour une série de productions. De productions par rapport à cet album. On laisse toi entre les mains de Dieu. Merci beaucoup, Frère Tantini. C'est à moi de vous remercier. Et surtout d'avoir répondu à notre invitation. Allez, nous vous disons merci. Vous avez été très nombreux, branchés sur notre page et surtout face à notre émission, l'émission qui a reçu pour vous le frère Tantini Sidi, qui bien sûr est des passages à Lubumbashi. Nous vous disons merci à tous. Merci, restez bien sûr branchés. Grand merci à MSK qui est de l'autre côté de la réalisation. Et nous vous disons au revoir et nous vous retrouvons très prochainement avec un nouveau numéro. Fête spéciale, avec un message spécial pour un peuple spécial. Je suis fier.